Je m'appelle Françoise Martinez. Je suis professeure des universités à Sorbonne Université. Je dépend du CRIMI, du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Mondes Ibero-américains Contemporains, en dirigeant l'axe Iberis euh, d'Histoire et Culture des Mondes Ibero-américains. Donc, je m'intéresse à la Bolivie, pays passionnant, République au cœur du continent sud-américain, avec une très longue histoire. Et euh, j'ai particulièrement travaillé les questions éducatives. Alors pourquoi les questions éducatives Parce que euh, l'éducation me semble être au carrefour de préoccupations sociales, politiques, culturelles, et que ça permet de bien cerner à la fois des projets de société, des projets politiques, et aussi la façon dont on considère euh, ce qui est à construire, c'est-à-dire le futur citoyen. Donc il me semble que c'est un concentré d'ambition, d'ambition politique et d'ambition de construction citoyenne. Pour une république euh, récente, puisqu'on parle de l'Amérique latine et que ce sont toutes des républiques euh, relativement récentes. Quand on parle de, de la Bolivie, c'est qu'on se centre sur sa période, sur son histoire contemporaine, à partir de 1825, puisque c'est euh, le dernier territoire à obtenir son indépendance. Mais euh, c'est évidemment un territoire qui a une histoire bien plus ancienne. Et si l'Empire espagnol occupe au XVIe siècle ce, en partie ce vaste territoire, avant cela, c'était une région habitée en partie par les Incas, la civilisation de Tiahuanaco, euh, dont on connaît généralement la Porte du Soleil, euh, qui a été euh, très très largement diffusée, et euh, beaucoup d'entre nous euh, avons baigné baignés dans les des dessins animés de, de des merveilleuses cités d'or avant de nous intéresser à, à la zone andine donc euh, les incas la civilisation de tiwanaku et de nombreuses cultures et langues dans les vallées et euh, toute la région amazonienne aussi puisque la bolivie a cette particularité d'être un pays qu'on pourrait considérer à un étage en, depuis le, les, les hauteurs du lac titicaca jusqu'à la frontière euh, actuelle avec le brésil donc en, en amazonie Ce Alto-Pérou, comme on l'appelait alors, est rattaché initialement à la vice-royauté du Pérou, puis il devient ultérieurement une province de la vice-royauté du Rio de la Plata. Ce qui fait que quand le, les, le début des guerres d'indépendance est lancé euh, en 1808, il dure dans, ces, dans ce territoire-là jusqu'à 1825 et le Haut-Pérou est le théâtre d'interminables débats et combats entre les troupes royalistes et les patriotes, patriotas, jusqu'à la bataille d'Ayacucho, dont le héros est alors Antonio José de Sucre, euh, en bataille d'Ayacucho qui a lieu en 1824, décembre 1824. Donc les, les indépendantistes remportent alors le combat contre les derniers Espagnols euh, en train de, de lutter, et la proclamation de l'indépendance de la Bolivie se fait le 6 août de l'année suivante. 6 août 1825, 6 août désormais fête nationale du pays. Donc si on s'intéresse à l'histoire républicaine, on part en, euh, on démarre en 1825. Mais en réalité, c'est gommer tout, tout un territoire déjà doté d'une riche histoire. Et c'est aussi un, un souci euh, à l'heure de présenter euh, euh, une histoire comme, euh, comme celle de la Bolivie, c'est que ça permet de faire de, de tracer des grandes étapes. Ça reste une histoire euh, vue par le haut. Et je rêverais d'une histoire un jour encore à écrire qui serait une histoire populaire de la Bolivie, comme wardzin a pu le faire pour, pour les États-Unis, où on verrait que finalement on parle des guerres d'indépendance de 1808 à 1825, mais euh, 1780-1781, ce sont déjà les soulèvements indiens. Le premier, dirigé par Tupac Amaru, écartelé. Le suivant, Thomas Catari, Curaca, alors, collecteur d'impôts. Euh, passa, Tupac Tupacatari, assiège la Paz également. Ce sont, ce sont des mm, figures, des figures de son les premiers soulèvements avant même les guerres d'indépendance, certainement précurseurs, mais euh, qui montrent aussi des rapports de force euh, euh, totalement inégaux. Quand le Libertador Simon Bolívar euh, arrive euh, donc le 14 août 1825, c'est après, finalement, euh, en traversant le Rio de Saguadero, il devient le premier président et cette République prend son nom en euh, hommage au Libertador, mais il ne sera finalement que président quatre mois. Donc c'est bien lui qui fixe les bases légales de l'existence d'un nouvel État, mais d'un nouvel État, je dirais, qui s'est quand même euh, euh, fait sans lui. Qui a, qui, a, qui a été là sans lui. Euh, ceci dit, les, les, les bases du nouvel État, c'est bien lui qui les fixe. Cinq départements La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, qui organisent le nouvel État. Un drapeau avec les deux couleurs déjà, vert et rouge, conservé jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, une monnaie nationale, le peso boliviano. Il va éliminer le tribut indigène, comme en. Un signe de, de, de changement par rapport à, à l'époque coloniale, mais il ne reste au pouvoir que quatre mois. Donc, il va laisser à son vice-président Antonio José de Sucre, le maréchal, le vainqueur de la bataille d'Ayacucho, le soin de s'occuper de, de ce qu'il a mentionné dans, dans un de ses écrits, et c'est resté sa fille préférée, la ira prédilecta. Et c'est euh, José Antonio de Sucre qui va devoir euh, relancer l'économie du pays, une économie affaiblie par la guerre en créant deux, les deux premiers ministères du pays, le, ministre, le ministère de l'armée, le ministère des Finances, pour gérer les finances publiques. Il va devoir euh, remettre le tribut qui avait été supprimé par Bolívar, le, le réactiver. Et, euh, et lui-même ne reste pas très longtemps, puisqu'en 1828, il renonce au pouvoir. L'Assemblée accepte et élit le maréchal. Andrés de Santa Cruz, qui en revanche euh, restera à la tête du pays de 1931 à 1939. Euh, ces années-là sont marquées par euh, par une tentative de confédération avec le Pérou, ce qui est aussi le signe que qu'on qu est dans un état un état nation en train de se construire et, et pas du tout consolidé. Santa Cruz donc euh, Voit cette tentative de confédération pérou-bolivienne en 1837, mais c'est un échec, et c'est un échec euh, du fait des résistances de l'Argentine et du Chili qui ne voient pas d'un très bon œil cette alliance. Cet échec précipite la chute de Santa Cruz en 1839. On a à partir de, de ce moment-là, tout au long du XIXe siècle, une sensation de violence chronique. On parle du siècle du caudillisme. Alors, qu'on pourrait critiquer, hein, parce que c'est une façon très rapide de mettre tous ces euh, dirigeants dans, dans, dans le même sac et de gommer euh, le, ce qu'il a pu y avoir, encore une fois, de participation populaire, la vision d'en bas et gommée au profit d'une euh, vision, d'une succession de caudillos, de coups d'État, etc. Ceci dit, ces caudillos sont placés euh, pas simplement par une petite élite qui les manipule comme des pantins, mais euh, certains d'eux sont, sont très populaires. Euh, ils, ils émanent aussi, euh, ils laissent, il y a des interstices de pouvoir à occuper par, euh, par le peuple. Ça, Martha, ce sont les travaux de Marta Irujos qui, qui montrent très bien comment, euh, loin de n'avoir qu'une série de pantins, avec un peuple opprimé et absent, on a au contraire des interstices de pouvoir, des soulèvements, des rébellions qui sans arrêt remettent ce peuple euh, en scène. Et euh, ces soulèvements militaires créent une instabilité politique chronique. Je ferai ressortir ici Mariano Melgarejo. 1964. Alors, Melgarejo, c'est l'antihéros de Tarata qui semble euh, conforter la notion de caudillos un peu instable du fait de ses folies, de ses décisions arbitraires. Melgarejo est un dirigeant qui avait euh, décidé ou proposé à ses hommes d'aller euh, sauver Napoléon en entendant que Napoléon avait des difficultés en Europe. Et quand on lui a dit, mais il y a... Euh, Prenez les chevaux, les chevaux, et allons sauver Napoléon. Il a fallu lui rappeler qu'il y avait un océan à traverser, et donc euh, qu'il fasse demi-tour. C'est aussi euh, de, de cette époque-là qu'on qu qu date les premières pertes territoriales, puisque les cadeaux qu'il pouvait faire à ces, à, aux, aux dirigeants des nations voisines se mesuraient en termes de kilomètres carrés offerts également. Donc il incarne un peu ce anti-héros caudillo qui consolide l'idée du caudillisme du XIXe siècle. Et euh, il y a ensuite euh, Isidoro Belsu, qui est en revanche euh, appelé familièrement le Tata Belsu, euh, comme un père, une, une espèce de papa Belsu extrêmement populaire qui occupe le pouvoir entre 1848 et 1955, avec des premières... Euh, euh, par exemple, je, on, on évoquait le 6 août comme fête nationale. Il est le premier à organiser des célébrations populaires hein, avec une participation à se revendiquer euh, président, président du peuple. Donc ça, c'est un, un long 19e euh, dont on peut critiquer la vision en termes de caudillisme. On arrive alors à 1879 qui va marquer la, la phase de guerre et de conflit avec euh, le Chili, euh, avec la guerre du Pacifique qui va profondément transformer la, la physionomie du pays, puisque cette guerre du Pacifique de 1879 à 1883 va marquer pour la Bolivie la perte de son littoral, la perte d'un département, la perte de son accès maritime. C'est euh, c'est une blessure jusqu'à aujourd'hui puisque la Bolivie n'a eu de cesse de revendiquer ce littoral perdu. En réalité, la guerre du Pacifique est la première de trois guerres qui affaiblissent considérablement la République et euh, au cours desquelles la Bolivie perd systématiquement une, de, une partie de son territoire. La guerre du Pacifique 1879-1883. 1983, c'est une trêve qui est marquée, c'est pas réellement la fin de la guerre qui, qui ne sera entérinée que par le traité de 1904. Euh, ce traité signé par le tout nouveau président, alors Ismaël Montes, va être dénoncé, euh, dénoncé par la suite puisqu'il euh, se fait un échange, j'y reviendrai, dans, un, dans une volonté de moderniser le pays, un échange d'une promesse d'argent et de chemin de fer euh, dont l'application a été douteusement... Euh, respecter, ce qui a permis à la Bolivie tout au long du XXe siècle de, de dénoncer ce traité. Il n'y a pas de campagne présidentielle qui ne se fasse sans cette promesse de renégocier l'accès au littoral, l'accès à la mer. Donc 1879-1883, c'est aussi ce que hum, une historienne comme Marie-Danielle de Melas a euh, marqué ou a signalé comme euh, le début d'un nationalisme sans nation, c'est-à-dire cette prise de conscience que un morceau du territoire a été perdu qu'il va falloir le reconquérir mais qu'il faut pour cela comme après toute défaite militaire euh, et euh, perte de guerre euh, refaire une conscience selon la formule de Raoul Girardet refaire une conscience et c'est là que l'éducation va aussi prendre une, une partie plus importante il faut consolider un sentiment d'appartenance nationale euh, créer de la citoyenneté et, euh, et se vivre ensemble euh, va se construire et s'enseigner aussi par une école nationale qui n'existait pas alors et qui sera mise en place à la, toute, à la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est la première guerre, la guerre du Pacifique, mais elle va être suivie de deux autres. Euh, une guerre éclair contre le Brésil en 1903. Euh, là, c'est une partie de l'Amazonie bolivienne qui est en jeu. Euh, on est en plein boom du caoutchouc. C'est une zone qui, euh, qui a son importance économique. Elle est perdue et le Brésil récupère cette, une large partie d'un la, du, territoire amazonien revendiqué par la Bolivie comme sien. Et puis dans les années 30, la guerre du Paraguay, qui est le, euh, ce, ce, la guerre du Chaco contre le Paraguay, qui euh, remet en, en cause toute cette zone du désert du Chaco. Euh, avec de, de vraies difficultés. Hein. On n'a pas un agresseur, un agressé, ou ce n'est pas si clair que ça, puisque du côté bolivien, des cartes indiquent que la Bolivie est, en, est légitime pour revendiquer un territoire qui, euh, qui mord un bon tiers de, de ce qu'on connaît de l'actuel Paraguay. Et le Paraguay a des cartes euh, revendiquant, lui, de monter jusqu'au nord euh, et en récupérant une bonne partie de la zone de Santa Claus. Donc, dans cette troisième guerre du Chaco contre le Paraguay, on peut considérer que les deux pays perdent, puisque aucun des deux ne parvient à récupérer le territoire qu'il ambitionnait euh, d'occuper. Mais si on le voit du, 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 du point de vue de la Bolivie, elle perd encore une fois euh, une, partie, une grande partie d'un territoire revendiqué comme sien. Sans port d'Antofagasta, qu'elle a perdu lors de la guerre du Pacifique, sans les ressources qu'elle est avec, le guano, le salpêtre, sans le, le, le caoutchouc de la partie amazonienne, et puis sans ces terres perdues aussi dans la guerre du Chaco. C'est une nation affaiblie, affaiblie par rapport à, aux nations voisines, je pense au Chili, à l'Argentine ou au Brésil, qui entrent dans 20 XXe siècle en ayant, eux, gagné leur guerre euh, du Paraguay, en particulier leur guerre contre le Paraguay, en ayant récupéré un certain nombre de kilomètres carrés et en entrant dans le XXe siècle en, en, en disposant du, de ressources naturelles et d'une économie euh, plus consolidée. La question est intéressante parce qu'il euh, y a un, un vécu et un ressenti très différent pour les trois guerres. Dans le cas de, du, de la guerre du Pacifique, euh, les, finalement, la population bolivienne en tant que telle a été assez faiblement impliquée. C'est euh, davantage le symbole de perdre l'accès maritime qui est fort, mais euh, les Chiliens se sont prévalus de cette réalité. Très peu de Boliviens occupait cette zone du littoral. Son, sa richesse, c'était le guano, donc ces excréments de, de, de mouettes qui était un engrais important et assez unique à l'époque et dont on avait besoin en suite à la révolution industrielle euh, et le salpêtre. Donc le Chili en avait déjà beaucoup finalement et il gagne un, un rallonge sa longue frange, son long cette bande est déjà un long littoral et la Bolivie perd ce qu'elle pouvait avoir mais finalement l'exploiter assez peu. Donc c'est une pénétration progressive, une installation progressive du Chili qui fait que finalement il s'arroge des, euh, des droits, on conteste des impôts et la, la Bolivie n'a pas Suffisamment mobilisé de gens sur place. La, la, la prise de conscience a posteriori des, des dirigeants, puisqu'ils s'affrontent lors de la Convention de 1880 entre les guerristas, ceux qui veulent poursuivre la guerre, qui formeront plutôt le parti libéral, et puis les pacifistes, ceux qui veulent la paix, mais ceux qui veulent la paix parce que ce sont plutôt des oligarques liés à la. À l'exploitation des mines de sucre, qui voient aussi dans la paix une façon de mieux négocier leurs accords avec le Chili euh, pour euh, préserver euh, leur, leur économie et leur économie exportatrice de minerais. Finalement, ce, sont les, ce seraient les grands vainqueurs d'une belle négociation de chemin de fer qui leur permettrait d'exporter leur euh, leur minerais avec plus de facilité. Donc on a cette opposition euh, à la fois euh, très idéologique mais très économique entre les ceux les partisans de poursuivre la guerre les partisans de poursuivre la paix et une assez faible mobilisation du peuple bolivien. En 1903, pour la guerre de Lacré, la région amazonienne est occupée par euh, ce que les euh, élites euh, au pouvoir considèrent comme des tribus de sauvages dans l'Amazonie euh, dans l'Amazonie du pays, donc euh, sans service militaire, sans, sans, sans conscience euh, euh, identitaire forte d'être euh, euh, bolivien ou de devoir être mobilisé, et assez peu présent et assez peu connu. Parce que le premier euh, grand recensement organisé par l'État, il a lieu en 1900. Donc là, on parle d'une guerre de 1903. Il a lieu en 1900 justement parce que l'élite libérale qui euh, arrive au pouvoir en 1898, en 1898 se sent dans l'obligation de mieux connaître les frontières d'un territoire qu'elle connaît assez peu, assez mal. Ce sont des, des, des expéditions qui sont organisées pour connaître euh, la région qui porte actuellement le nom de Pando, par exemple, euh, du nom du premier président libéral, José Manuel Pando. Donc on apprend à connaître un territoire dont les limites sont assez, euh, assez incertaines. Et cette euh, guerre de la donc elle mobilise là encore. Euh, assez peu de, de population, d'autant qu'elle est très lointaine, dans des régions très reculées par rapport au pouvoir central et, à, et au plateau, euh, qui sont les plus peuplées, et, et donc assez peu peuplées, ou en, en tout cas dont la densité est peu et mal connue. La situation est très différente dans les années 30. Dans les années 30, au moment de la guerre du Chaco, Là, les recensements ont eu lieu, on a eu euh, une longue période de stabilité politique, la plus longue de, de l'histoire de la Bolivie entre 1880 et 1920, avec euh, la période libérale 1898-1920, plus de deux décennies du pouvoir euh, libéral en place. Donc c'est une longue phase de stabilité démocratique de l'oligarchie conservatrice libérale. Oligarchie qui était une oligarchie de l'argent à la fin du 19e siècle, qui devient une oligarchie davantage liée aux, à l'étain et aux mines d'étain au début du 20e siècle, qui prône une modernisation à tout va et, euh, et qui organise des recensements, qui apprend à, à étendre la présence de l'État sur tout le territoire, qui euh, crée des écoles, qui euh, multiplie les ministères, enfin qui construit et consolide son État-nation comme tel. 1925, pour moi, est une date assez clé puisque c'est le centenaire, cent ans de l'indépendance euh, bolivienne. Et euh, c'est à ce moment-là, je, je, je pense, que le, la construction d'un État-nation euh, se consolide, se revendique, s'affiche, s'affiche pour les nations étrangères puisqu'on est en, aussi en recherche d'investissement, s'affiche au sein de la Bolivie pour euh, diffuser euh, dans toutes les régions ce sentiment du on est une seule et même nation et on, on, on célèbre notre, notre unité. Donc, quand euh, la, les tensions montent avec le Paraguay et que la guerre est lancée en 1932, c'est toute une population qui va se mobiliser. Et à l'inverse des deux conflits précédents, on n'a pas une famille qui n'est pas un de ses membres euh, engagé dans la guerre du Chaco. Donc la situation est vraiment différente. La perte du Chaco, elle est à nouveau une perte territoriale forte, symbolique, angoissante, mais d'autant plus angoissante que euh, c'est vrai pour le Paraguay aussi, hein, qui voit sa population décimée. C'est une guerre qui fait, euh, qui fait beaucoup de, de victimes. On, on évalue à 60 000 morts, plus de 200 000 blessés euh, pour un Chaco, pour une région assez méconnu du reste du territoire. Le Chaco, c'est un grand désert. Je me suis longtemps demandé pourquoi euh, les, les, les soldats, pourquoi on parlait d'enfer. De, de, on parle de l'infierno verde, l'enfer vert. C'était pour moi un contresens. Euh, un contresens. Donc j'ai pris la peine de traverser le Chaco euh, en, en bus et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce grand désert est un désert avec ici ou là quelques cactus. Donc ce, le verre renvoyait à ces quelques plantes euh, présentes sur des kilomètres et des kilomètres. Euh, et, et la richesse du Chaco, c'était quand on réussissait à trouver un puits d'eau. Donc c'est euh, déjà une guerre de l'eau. Et le Chaco euh, euh, a circulé la rumeur qu'il y avait beaucoup de pétrole. Donc quand on fait le bilan, on se dit le Paraguay a gardé plus de kilomètres carrés, mais la Bolivie a gardé la région où on a trouvé un peu de pétrole. Mais c'est surtout un désert. Euh, baigné de sang et dans, la, dans lequel les deux pays ont perdu énormément de leur population. Donc, la, la prise de conscience post-guerre, elle est de reconstruire une nation en rejetant la faute sur euh, tous les militaires et sur les oligarchies rendues responsables de la guerre, ce qui n'avait pas été le cas euh, dans les conflits précédents. On dit que ce sont les tranchées de la guerre du Chaco qui ont forgé le sentiment, un fort sentiment d'appartenance, puisque dans les tranchées, Indiens des, des de l'Altiplano, euh, groupes métis et euh, populations plus blancoïdes, comme ils le disent aussi, euh, se sont rencontrés et parfois ne parlaient pas la même langue. Donc il y a eu une prise de conscience à la fois euh, du fait de, 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 de faire corps et d'appartenir à une même armée même armée en lutte, et à la fois la conscience de cette diversité entre différents euh, groupes ethniques qui ignoraient leur euh, propre existence au sein de ce même territoire dont on leur apprenait pourtant depuis euh, plusieurs décennies euh, qu'elle était ou qu'elle devait être leur nation. Les liens sont rendus très difficiles par le simple fait qu'il n'y a pas de route que les infrastructures, elles sont tardives, comme le chemin de fer. C'est bien pour ça aussi que dans la négociation avec euh, euh, le, le Chili au moment du traité de 1904, cette dimension est fondamentale. Créer des routes, euh, disposer de chemins de fer, c'est connecter les régions et c'est construire du pays, c'est construire de la nation, c'est rendre, euh, rendre possible que la zone de Santa Cruz... Euh, et euh, la zone de l'Altiplano puisse être reliée et que donc des marchandises puissent circuler. Ça, c'était vraiment euh, très difficile jusqu'à ce moment-là. Aller d'un département, se rendre de l'Altiplano vers l'Orient ou vers le nord du pays, ça supposait des journées, des journées de marche. J'ai un exemple euh, assez amusant à ce, à ce sujet. Quand est créée la première école normale du pays, euh, en 1909, dans la ville de Sucre, on recrute pour la diriger georges rouma un maître euh, professeur belge de l'école charles Buls de bruxelles euh, qui, qui arrive à buenos aires et qui ne parvient pas à rejoindre la bolivie pour l'inauguration de l'école parce qu'il arrive à dos de mule et que ça lui prend un temps infini que euh, c'est une véritable épopée alors qu'il est arrivé des mois à l'avance ça prend des mois, en fait, de pouvoir euh, traverser le pays et arriver à Socré, Socré, qui était pourtant la capitale constitutionnelle. Dans cette prise de conscience post-guerre du Chaco, il y, a, il y a deux choses. Il y a d'abord que la guerre a été mal menée. Donc c'est un discrédit total sur euh, la, les vieux militaires. Et euh, on a une nouvelle jeunesse militaire qui se permet de critiquer les anciens et euh, qui va euh, être euh, tout auréolé dans, dans, dans le crédit euh, populaire, puisqu'on euh, reconnaît, oui, que la guerre a été mal menée, qu'elle a été perdue parce qu'elle a été mal menée. Mais il y a aussi une autre critique dans le même temps, c'est celle de ceux qui se sont enrichis pendant la guerre, ceux qui se sont enrichis plus encore. Et, euh, et forcément, dans une guerre qui a fait autant de, de victimes, le ressentiment est, est plus fort encore. Parmi les responsables, ceux qui se sont euh, l'oligarchie de l'État, ceux qui se sont, ceux qui ont fait fructifier plus encore leurs euh, mines, et euh, trois figures en particulier, Simon Patigno, Aramayo et Oshild. Ces trois, ces trois euh, hommes euh, disposent dans les années 30 de la quasi-totalité des mines du pays. On les désigne comme la Rosca. Donc, la Rosca, ce petit, ce groupuscule en fait, qui possède les mines et les richesses. Euh, Augusto Cespedes, qui est un célèbre euh, écrivain euh, de l'époque, euh, le, le désignera dans, dans un roman qui porte ce nom-là comme le métal du diable. Donc ce métal du diable fait de leurs possesseurs trois diables, trois diables contre lesquels il va falloir lutter. À la suite de la guerre du Chaco, le, le socialisme militaire prend le pouvoir. Dans ce qu'on va appeler les gouvernements du socialisme militaire. Tout ça est très imprégné aussi des modèles fascistes en vogue en Europe. On s'inspire de nouvelles missions allemandes, euh, italiennes. L'ordre, cet ordre fait envie. Donc, ils sont très ambigus, ces, euh, ces gouvernements-là. Et ils vont euh, tenter de reconstruire, reconstruire le le pays en rejetant donc en rejetant les oligarchies et les élites antérieures. C'est le début aussi d'un mouvement Radepa. Radepa est un mouvement euh, initialement secret qui naît dans les euh, camps de prisonniers de la guerre du Chaco, côté paraguayen, et on, on ignore longtemps qui euh, sont les, les signataires de ces euh, feuillets qui arrivent et qui s'indignent et qui... Euh, qui prône cette indignation et cette volonté de reconstruction post-guerre. C'est euh, Victor Paz Estensoro qui est l'un d'entre eux et qui va à partir de ce moment-là réussir à avoir un poids de plus en plus important dans la politique bolivienne et euh, construire une proposition euh, d'alternative qui va mener à la révolution euh, nationale. Puisqu'en 1951, des élections sont organisées, Victor Paz Estensoro est alors en exil à Buenos Aires, depuis l'exil, il gagne, il gagne les élections. On attend, il arrive à, à la Paz, mais euh, les, les élections sont euh, contestées, immédiatement contestées. Est-ce qui va déclencher la, la révolution nationale de 1952 Avril 1952, on a un, un petit peu des, des quelques semaines d'hésitation entre est-ce que finalement le mouvement nationaliste révolutionnaire qui a gagné les élections va-t-il être reconnu ou contester le soulèvement des mineurs est clé pour faire pencher la balance en faveur de la révolution et euh, victor Estensoro va pouvoir occuper le pouvoir revenir à la paz être accueilli en héros et mettre en place un programme révolutionnaire Alors, la révolution nationale de, elle euh, elle a lieu de 1952 à 1964. On a 12 années, 12 années pendant lesquelles ce programme va pouvoir être appliqué. C'est intéressant de le percevoir aussi dans une logique continentale. Finalement, les années 30-50, un peu partout en Amérique latine, voient se développer des mouvements nationalistes révolutionnaires d'un côté et les mouvements dits populistes de notre côté. Quoi qu'il en soit, à partir des années 30, il y a cette espèce de prise de conscience qu'on ne peut pas gouverner sans euh, une classe ouvrière qui pouvait être euh, embryonnaire au début du XXe siècle, mais qui euh, acquiert de plus en plus de force dans les grandes villes, qui pèsent, avec des syndicats qui revendiquent et, euh, et avec lesquels il va falloir gouverner. Parfois, cela donne lieu à des révolutions. Il y en a trois Guatemala, 1944. Euh, Bolivie 1952, et puis il y aura Cuba sans doute la plus connue. 1952, donc on est dans cette, la, la, dans cette première révolution au sud, en Amérique du Sud, qui fait suite à la révolution du Guatemala, mais qui est la première à euh, se concrétiser. Ailleurs, ce sont plutôt des mouvements dits populistes qui vont euh, gouverner avec les syndicats, mais on, on pense à Peron en Argentine, Retulio Vargas au Brésil. Euh, ou Velasco euh, Ibarra en Équateur. Euh, en Bolivie, on a cette cette révolution nationale avec transformation profonde des structures de la société. Et euh, leur premier, le premier, la première entreprise et le premier souci va être euh, précisément de nationaliser les biens de la Rosca, de la Rosca Oni, nationaliser les mines. Et euh, et donc euh, Récupérer ces entrées d'argent et ne plus permettre que la Rosca exploite pour elle seule ou pour un groupe réduit les, les richesses du pays. Donc, la nationalisation des mines est la première grande réforme. Il y en a quatre. Il y aura la réforme agraire immédiate. Ce sont des constantes des, des révolutions, finalement. Le, la déclaration du vote universel. Euh, les élections de 1955 sont les premières où on voit les mujeres de là, ces femmes euh, urbaines avec borsalino et jupes superposées qui n'avaient jamais eu accès aux urnes, euh, on les voit voter. Et puis la réforme, éducative, la réforme éducative, avec ce leitmotiv, cette volonté forte de passer d'une éducation euh, de caste à une éducation de masse. Selon la formule consacrée, et la proclamation du Code de l'éducation en 1957. Ce Code de l'éducation de 1955 va être le Code de l'éducation de la deuxième moitié du XXe siècle, qui va rester en vigueur jusqu'aux réformes assez récentes des années 90. On a quatre mandats successifs. Ça reste. Une démocratie, mais au nom du mouvement nationaliste révolutionnaire, euh, Victor Paz soro, a le premier mandat électoral, suivi de Hernán Cisésoaso qui a le deuxième, puis à nouveau Victor Paz the le troisième, et euh, en 1964 euh, Victor Paz soro est élu pour son troisième mandat. Troisième mandat et c'est un de ses euh, généraux qui va le trahir, le général Barrientos qui organise un coup d'État. Le coup d'État de 1964 ouvre la période militaire en Bolivie. Cette euh, révolution euh, de Bolivie, elle est, euh, elle est très mal vue évidemment par euh, le Nord, qui contrôle toute avancée du euh, péril rouge ainsi, euh, ainsi désigné et qui euh, mène à ce que... Adam Anderle, j'aime bien l'expression, a appelé l'hystérie anticommuniste. Donc, au lieu de historia anticommuniste, il parle d'une hystérie anticommuniste. Et, et effectivement, je, je, cette révolution de 1952 a sans doute précipité aussi la, le golpe de Guatemala, le coup d'État du Guatemala, qui met fin à la période révolutionnaire au Guatemala et qui est la première intervention connue aujourd'hui de la CIA en Amérique latine. La Bolivie était une révolution, une deuxième révolution, un peu plus lointaine, et Cuba sera la troisième. Donc en 1964, le coup d'État du général Barrientos met fin à 12 ans de, de période révolutionnaire. Euh, engage la période dite des dictatures militaires. Et ce général Barrientos est tristement célèbre aussi puisque c'est lui qui ordonne la mort d'Ernesto Che Guevara en 1967. le Che Guevara qui, après la révolution cubaine, elles sont connectées, ces révolutions en réalité. Hein, euh, El Che Guevara est au Guatemala quand il voit le coup d'État de 1954, se réfugie au Mexique, prépare la révolution euh, la révolution cubaine à partir de ce moment-là. Et euh, finalement, après la Révolution cubaine et après le coup d'État euh, en Bolivie, revient en Bolivie avec l'idée de refaire de la, de, 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 des Andes la Sierra Maestra de l'Amérique du Sud. Donc, d'exporter de, de, la Révolution cubaine, puisque c'est la grande question des années, euh, des années 1960, va-t-on pouvoir exporter la Révolution cubaine Donc, l'idée est de la recréer en Bolivie, sauf que c'est un pays qui sort de 12 ans d'expérience. Euh, Révolutionnaire et où euh, bah, il est assez compliqué de remobiliser, euh, de remobiliser le peuple pour lui faire entrevoir une expérience nouvelle, alors que ce n'est pas si nouveau en réalité. Et euh, donc, euh, le Che Guevara tente d'ouvrir un nouveau foyer révolutionnaire en Bolivie, mais c'est un échec et il est assassiné à Valle Grande en 1967. Quatre coups d'État militaires qu coups militaire suivent. Euh, dont celui du général Banzer, sans doute, euh, sans doute euh, le plus connu parce que c'est lui qui, euh, qui dirige le pays dans les années 70, ces mêmes années 70 où euh, ont lieu les coups d'État un peu partout, au Chili, en, en Argentine, euh, le, le Brésil est déjà sous euh, gouvernement militaire. Euh, L'Uruguay aussi, et on a un côte, un côte sud qui s'organise avec cette triste opération Condor qui met en lien les dictateurs et qui fonctionne comme une espèce de vaste interpole antidémocratique où chaque dictateur peut poursuivre un militant ou un dit subversif où qu'il soit. En fait, toutes les, les notions de, de frontières nationales se perdent au profit de frontières idéologiques qui justifient qu'on arrête un bolivien réfugié en uruguay et que ce soit la police militaire de pinochet qui le fasse ou qu'on exécute en, au paraguay un tel ou tel militant argentin, etc. Et euh, dictature militaire, elle dure jusqu'à 1982. Et euh, cela va être un, une, une crise économique terrible qui va précipiter la fin des dictatures militaires. Donc, d'un point de vue de politique euh, intérieure, euh, en Bolivie, on a des ce qu'on peut appeler des contre réformes en fait, contre réformes éducatives, euh, la crise économique croissante, un contrôle, de, contrôle du pays évidemment, et une hyperinflation qui commence à se produire au début des années 80 qui va précipiter la, la chute du gouvernement militaire, euh, et un retour, Alors, comme toujours quand on a des périodes un peu traumatiques comme ça, euh, l'histoire montre qu'on essaie de revenir à ce qui s'est passé avant, pour euh, faire comme s'il s'agissait d'une parenthèse dans l'histoire nationale, on va, reprendre, on va reprendre les deux hommes de la révolution, donc Hernán euh, Silesuaso et euh, Paz Estensoro, qui vont être euh, tour à tour présidents. Donc, euh, si les sous sont marquent le retour à la démocratie, 1982, et Estensoro est rappelé dans un contexte d'hyperinflation galopante en 1985. Il va mener, euh, pour le coup, une politique qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'il avait menée en 1952, puisqu'il euh, euh, doit euh, délocaliser, enfin appliquer des, une politique économique très dure pour contrôler cette hyperinflation. Donc ce sont les années 80, en, dans l'histoire de la Bolivie, on la considère comme la, la décennie perdue, euh, décennie perdue, alors qu'on est pourtant en plein, en, 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 dans le retour à la démocratie, mais euh, c'est une perspective d'histoire économique qui veut ça. Elle est euh, perdue en, 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 termes de, en termes économiques, puisqu'il s'agit de contrôler cette hyperinflation galopante et que c'est ça qui anime les années 80. Années 90 euh, sont marquées par une autre logique, c'est celle du. C'est la vague néolibérale avec euh, la présence de donc celui qui l'incarne, c'est Fujimori au Pérou. Euh, vague néolibérale donc de privatisation qui semble être. Euh, les Chicago Boys ont eu leur effet euh, au Chili, en prônait aussi euh, ces, euh, ces politiques économiques. Euh, et. Euh, ça ne dure pas, ça dure pas. Cette, cette vague néolibérale est fortement remise en question dès les années 90 hein, par un certain nombre de groupes sociaux, mais euh, les, les, la, les secteurs sociaux euh, et populaires se mobilisent en, dès la fin des années 90, ce qui va amener à un, un renouveau du mouvement social, renouveau du mouvement social dont on a pu voir dans les années 2000 qu'il a, qu a permis euh, l'élection du MAS, donc du mouvement vers le socialisme, avec l'élection d'Evo Morales en décembre 2005 et euh, sa prise de pouvoir euh, en 2006, qui a duré jusqu'à euh, octobre 2019. Euh, donc on, les années 90, ce sont des années de tentatives de réactivation économique, ce sont aussi les années du Mercosur, tentatives d'alliance horizontale pour euh, s'intégrer à la mondialisation en créant, euh, euh, sur le modèle de la communauté européenne, un marché commun. Ce marché commun était économique au départ, en 1991, très vite il devient aussi euh, le lieu un, de, de, de proximité idéologique, quand à la fin des années 90, euh, en particulier suite à l'élection de Hugo Chavez au Venezuela. Le Venezuela euh, entre comme pays associé et euh, finalement ce, ce Mercosur devient une alliance de présidents qui se revendiquent de gauche. Alors vu euh, depuis l'Europe, je vais nuancer euh, ce que je dis euh, immédiatement, vu depuis l'Europe, on parle de la gauche au pouvoir avec euh, Chavez euh, au Venezuela et euh, puis euh, viendra Evo Morales en Bolivie. Euh, Lula au Brésil, Michel Bachelet est alors euh, au Chili. En réalité, ce sont des gouvernements qui n'ont pas grand-chose de comparable, si ce n'est qu'ils se font les porte-paroles, si ce n'est qu'ils se construisent contre le néolibéralisme des années 90 et qui sont les porte-paroles de secteurs populaires, en portant des idées nouvelles. Ça oui. Mais euh, notre façon très européenne de dire bah, l'ouvrier au pouvoir, la femme euh, et, euh, et l'Indien. Ce n'est pas, pas forcément comme ça que c'est perçu sur place. Donc, l'élection d'Evo Morales, elle va amener des changements profonds. Hein. Ce, qui... ce sont des années au pouvoir qui ont été comme, désignées comme el proceso de, cambio, proceso de cambio et notamment marquées par la nouvelle constitution, la constitution de 2009 par laquelle la Bolivie devient l'État plurinational de Bolivie. La Constitution de 2009 reconnaît 37 langues officielles. L'aïmara, le quechua et le guarani sont euh, les plus connus et parce que euh, quantitativement les plus fortes, mais euh, il en existe 34 autres officiellement reconnues dans la Constitution, ce qui est, je crois, un, un record mondial de diversité linguistique reconnue. Alors, je ne considère pas qu'elle finit, je considère qu'elle commence une intégration euh, des Indiens au pays parce que comme euh, toute législation, elle met du temps, il y, y a toujours des grands écarts entre l'idée, ce qui est proclamé, ce qui est dans le texte, et puis ce qui est euh, appliqué et faisable sur le terrain. Sur le plan de l'éducation, par exemple, certes, 37 langues officielles sont reconnues, mais euh, sont-elles véritablement enseignées Dispose-t-on d'un nombre suffisant d'enseignants capables euh, d'alphabétiser les enfants dans leur propre langue Est-ce que c'est souhaitable Jusqu'à quel âge Enfin, ce sont des questions qui sont toujours, euh, qui sont toujours posées et, euh, et pas forcément réglées. Donc, en tout cas, c'est un pas énorme et c'est vrai que c'était un engagement d'Evo Morales, de toute façon, de, de passer à une nouvelle page de l'histoire euh, de l'histoire du pays et d'en faire un État plurinational dont chaque, euh, dont chaque euh, membre pourrait être fier, fier de sa culture, fier de sa langue, fier de sa communauté d'appartenance. De ce point de vue-là, c'est euh, il a tenu parole euh, et la justice euh, aussi. Hein, mais, mais, le terrain de la justice, par exemple, est encore à, largement à, à exploiter. Elise Gadea y a consacré une, une thèse de doctorat pour montrer toutes, toutes les choses accomplies, mais toutes les choses encore non accomplies, ou euh, euh, rester comme des, euh, comme des attentes, et euh, des attentes auxquelles le gouvernement n'a pas forcément trouvé euh, toutes les réponses. La question de la reconnaissance d'appartenance, elle est très intéressante et mesurable en partie par les recensements. En... Au moment de l'accès d'Evo Morales au pouvoir, un recensement est organisé. Et, euh, et pour la première fois, euh, elle, ce recensement permet, enfin on demande aux gens de s'identifier. C'est de l'auto-identification. Pour rappel historique, le recensement de 1900, ce premier grand recensement, il était fait par des censeurs qui vous voyaient et disaient, vous voyez un, un tel et le qualifiaient de blanc, noir, indien, métis. Quatre catégories raciales clairement assumées en 1900. Ces catégories euh, perdant de leur euh, pertinence sont euh, progressivement éliminées. Dans les années 50, on a un seul type de revendication qui devient linguistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas blanc, noir, indien, euh, aymara, quechua, mais on est monolingue, anaimara, en quechua, hein, ou euh, monolingue euh, en langue indigène, on parle espagnol, ou on parle les deux. Et finalement, ces trois catégories reviennent à nos catégories de bah, celui qui ne parle qu'espagnol. C'est plutôt celui qui était considéré comme blanc, puisque je, je, je vous rappelle que blanc, ce n'était pas nécessairement lié à la couleur de la peau, mais à, à toute la culture qui allait avec cette catégorie, cette catégorie de recensement. Euh, celui qui, est, qui ne parlait qu'une langue indigène, ben, c'est celui que traditionnellement on désignait comme indien, sans faire la différence entre euh, la présence euh, au groupe ethnique euh, chiman moseten ou Aymaradé au plateau euh, et celui qui se disait bilingue ou euh, qui pratiquait les deux langues c'était plutôt le métis c'est-à-dire celui qui était à la fois lié à une communauté euh, indigène rurale mais et ou connaissant la ville ou euh, ayant des parents, grands-parents venant de communautés rurales donc quand on passe à l'auto-identification on change complètement la, la, la démarche et euh, dans ce premier recensement Effectivement, celui qui avait. On s'était. Est-ce euh, que vous vous identifiez plutôt Aymara, plutôt Quechua plutôt Alors, bah, si vous avez un, un grand-parent euh, Aymara, vous cochiez plutôt Aymara. Et donc, la Bolivie se retrouve euh, en 2006-2007 comme le, une république euh, très majoritairement indienne, puisque euh, si on s'en tient à, à cette auto-identification de recensement, effectivement, les personnes interrogées avaient coché. Euh, Aymara, Quechua, Guarani, etc. Euh, le, dans le recensement euh, suivant, donc euh, quand le, le, le gouvernement aussi, euh, euh, quand, il y a une certaine, quand on constate une certaine usure au pouvoir et qu'il commence euh, à y avoir des critiques un peu plus fortes, euh, le deuxième recensement n'a pas fonctionné de la même façon. Et les personnes interrogées ne se sont pas autant identifiées comme Aymara, Quechua, Guarani. C'est pas qu'ils étaient plus là. Pas que c'était pas les mêmes, c'était les mêmes, c'est juste une question de, de, de prisme de lecture et d'auto-identification. Et elles se sont identifiées alors comme beaucoup comme autres, comme euh, métis ou autres. Donc euh, finalement, euh, cette reconnaissance, je veux vous montrer par là qu'elle est très variable, facilement variable au cours du temps. Euh, Jean-Pierre Lavaux et Françoise stage avaient consacré une étude aussi à se compter les Indiens, comment on fait quand on quand on, et qu'est-ce que ça implique Et qu'est-ce que ça signifie aussi de dire 70%, 50% Voilà, sur quoi, sur quoi on se base Donc c'est très intéressant en tout cas de se demander comment c'est construit, et euh, c'est pas la même chose de s'identifier Quechua euh, ou Guarani, de dire qu'on parle Quechua ou Guarani, et de dire qu'on apprend à l'université à parler Quechua ou Guarani, voilà. Le processus de cambio engagé par les, le, les successifs gouvernements d'Evo Morales jusqu'à 2019 a permis une vraie transformation de la, de la société bolivienne. L'ouvrage Altiplano de Franck Poupeau fait aussi le point sur, sur ce que ça a signifié de transformation et il parle de nouvelles révolution le fait qu'on ne puisse plus considérer la Bolivie post-Evo Morales comme la Bolivie d'avant. C'est-à-dire que qu'en euh, euh, octobre 2019, donc, Janine Agnès prend de façon transitoire le pouvoir dans un contexte de forte contestation euh, et, et avec un, deux récits nationaux qui se mettent en place, celui de la fraude électorale qui justifie le soulèvement euh, versus celui du coup d'État organisé. D'accord ça, ces, ces deux euh, narratives, on pourrait dire, ou ces deux récits nationaux s'affrontent et continuent à s'affronter aujourd'hui. Donc il faut que le, le, le processus de judiciarisation soit fait et que la lumière soit faite sur euh, quelles en ont été les victimes, qui a ordonné de tirer, comment se sont passés les affrontements, au nom de quoi s'est fait euh, la, la, la transition ou la non-transition. Euh, toutes ces questions-là sont encore euh, à résoudre, mais elles polarisent euh, le pays et rendent euh, les, les discussions difficiles. Ceci dit, un an plus tard, le, les élections ont été claires et euh, le MAS a à nouveau gagné les élections avec euh, Arce aujourd'hui au pouvoir, qui euh, poursuit un certain nombre d'initiatives lancées pendant ces années-là. Et euh, je crois évident qu'il qu faut effectivement considérer ces... Euh, années au pouvoir donc 2005 2019 on parle de 14 années on parlait tout à l'heure de la révolution du MNR qui a aussi euh, euh, façonné une autre Bolivie en 12 ans là on peut dire que le processus des Cambio a façonné une autre Bolivie en euh, 14 ans et qu'il poursuit cette chose là puisque le le si Evo Morales n'est plus au pouvoir le parti politique est encore euh, est bien au pouvoir et présidera les euh, l'organisation du bicentenaire de la Bolivie, puisqu'on a commencé en 1825. C'est une jolie façon de, de terminer dans ce bicentenario qui aura lieu en 2025 et, euh, et qui scellera une autre image de la Bolivie. Je pense que ce sera intéressant de la comparer à celle qui a été promue euh, en, en, en 1925 et par rapport aux, aux espoirs. Là, on a 200 ans d'histoire euh, qui se déploie sous nos yeux.